Salut c'est trop, j'espère que vous allez bien, moi je vais très bien aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Écoutez, je peux enfin la faire, parce qu'entre mon chat qui miaule, le chien de la voisine, j'étais un petit peu bloquée. Bon, aujourd'hui, on va ouvrir des cadeaux, ça fait longtemps que je n'ai pas fait d'ouverture de cadeaux. Et du coup, je me suis dit, bon, quelle couleur je vais prendre? Et je me suis dit, je vais prendre la première couleur qui s'affiche, du coup ce sera du jaune. Bon, j'ai envie de vous dire, hein, c'est le destin. Voilà, ma vie s'arrête à un citron, en fait. Voilà, toute ma vie est un citron. Ok, on va ouvrir les petits cadeaux jaunes, du coup. Encore une fois, merci à toutes les personnes qui m'ont offert... Oh, je vais... Au revoir le look. Au revoir le look que j'aimais tant. ma vie s'arrête un citron, mais ouais, encore une fois, merci beaucoup à toutes les personnes qui m'ont offert des cadeaux, hein. Encore une fois, j'ai rappelé dans cette vidéo, ne m'envoyez pas de cadeaux, j'ai tellement de cadeaux de retard à ouvrir que, tout simplement, m'en envoyez pas. Voilà, comme ça, votre cadeau ne sera pas perdu. Et je voulais dire également que je vous remercie, vraiment merci beaucoup pour tous les cadeaux, c'est vraiment énorme, même trop pour moi. Et c'est tout à peu près, je pense, par rapport à ça. Voilà, donc on va faire un petit adieu à cette tenue déjà qui est déjà plus là, qui est déjà complètement disparue. Merci beaucoup à toi, Clara. Merci beaucoup pour la salutation. Elle est géniale, cette coupe, elle est trop belle. J'adore sa coupe. C'est une nouvelle coupe, ça? Ou c'est moi? Oh, stylé, les chaussures. Oh, merci à toi, donc, Kikong, également. Merci beaucoup pour la salutation. Merci beaucoup à toi. Mais franchement, ces baskets-là, elles sont trop belles. Oh, avec des petites fleurs et tout, moi j'adore. J'adore. En ce moment, j'aime bien les motifs fleurs. Dites-moi en commentaire, c'est quoi vos motifs du moment? Dans le sens, voilà, motif léopard, crocodile. Moi, pour le coup, j'aime beaucoup les motifs floraux en ce moment. Les motifs tropicales même. Tout ce qui est... tout ce qui est, par exemple, tropical, les palmiers, les feuilles de palmiers surtout. Plus que les palmiers, j'aime bien les feuilles en fait. J'adore. Et comme d'habitude, alors est-ce que c'est du beige, du jaune? Est-ce que le beige est le jaune? C'est la question. Est-ce qu'on peut considérer que la couleur beige est une couleur jaune? Moi, il me semble que oui, puisque le beige, c'est un dérivé de jaune, n'est-ce pas? Et merci encore à toi, Clara. Merci beaucoup pour la salutation. Et pour moi, s'il te plaît. Oui, qu'est-ce qui se passe, Kinzelfan 4? Oh, j'adore cette coupe. J'adore cette coupe. Toi, Kinzel. Merci, Anastasia Cookie. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, comme d'habitude, si vous voyez que je rate... Alors ça, est-ce que c'est du jaune? Ouais, on va l'ouvrir. Si, comme d'habitude, vous voyez que j'ai raté un cadeau de couleur, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires avec le temps. C'est-à-dire que si je ne l'ai pas ouvert à, je sais pas, 4 minutes et 5 secondes, mettez 4 2.05. Comme ça, moi, j'ai l'heure au moment où j'ai raté le cadeau. Parce que des fois vous me dites que j'en ai raté, mais moi je sais pas quand, puisque vous me dites pas c'était à quel moment de la vidéo, et c'est un peu compliqué de m'y retrouver. Donc n'hésitez pas à mettre le moment de la vidéo à laquelle je n'ai pas ouvert le cadeau. Alors le doré c'est pareil, hein, pour moi le doré c'est une couleur dérivée du jaune. Un jaune bien bien fluo là. Ah, bandana. Allez, on va le mettre. Il est sympa le bandana jaune comme ça. Dans la vraie vie j'ai plusieurs bandanas. J'ai un bandana, on en avait parlé en plus avec une pote la dernière fois, de tous les bandanas, et elle voulait tous les bandanas, et puis moi j'avais pas mal de bandanas. J'ai un bandana violet, j'ai un bandana blanc, j'ai un bandana vert, j'ai un bandana couleur du drapeau de l'Amérique. Ouais, c'est en fait, c'est pas vraiment une couleur, c'est le drapeau de l'Amérique en bandana. Qu'est-ce que j'ai encore, parce que j'en avais 5. Un bleu, du coup ça fait 5. Je crois que je l'ai pas dit le bleu. Donc moi j'adore. Moi j'adore les bandanas. Bah de toute façon vous l'aviez vu, hein, souvent quand je mettais mes facecam, je portais régulièrement un bandana. Donc c'est un truc qui date chez moi. J'adore les bandanas depuis longtemps. En même temps c'est un peu le but, hein. Si j'ai un bandana, c'est pour le porter, hein. J'aime bien les casquettes aussi. Sur Instagram, vous pouvez voir mes photos. J'ai souvent un bandana ou une casquette dans les cheveux. J'aime bien. J'aime beaucoup. Wow, Marge Simpson. J'ai envie de cliquer sur son profil. Mais je vais pas m'écarter de mon chemin.
Donc n'hésitez pas, comme d'habitude, également à mettre aux commentaires vos idées pour une prochaine vidéo, pour quelle ouverture de cadeau. Parce qu'en ce moment, je fais beaucoup les ouvertures de cadeaux, des couleurs de cadeaux. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, je faisais aussi, par exemple, j'ouvre les cadeaux des personnes qui ont les cheveux de couleur noire, ce genre de choses. Bon, couleur noire, c'est un peu vu et revu, je l'ai fait déjà tellement de fois, donc voilà. Mais peut-être des idées originales que moi, je n'aurais peut-être pas pensé, par exemple. Et la jupe avec le haut là, ça va bien ensemble, je trouve. Le pull, il est vachement beau. J'adore. C'est un truc que je pourrais prendre dans la vraie vie. Alors ça, ça fait plus blanc que jaune, j'ai l'impression. C'est vrai qu'il y a des cadeaux blancs, il y en a pas mal. Ce serait bien de faire une version de cadeaux blancs, là, ce que je vois. J'ai envie de cliquer dessus, mais je ne peux pas. Je suis obligée de me contrôler. Ah, voilà. Marie-Fleur 10. Hop, un pull bout. Oh, j'ai les tatous. Et j'ai les tatous. Bon, ça, on va l'ouvrir. Ça fait beige. Mais ça fait un peu marron. Est-ce que ça, c'est pas plus dans des couleurs noisettes? Je sais pas trop. On va l'ouvrir quand même. Parce que je sais qu'après, je vais me retrouver avec des commentaires. T'as oublié un cadeau. Donc, on va les ouvrir. Alors. Couleur jaune. Il y avait aussi une idée qui était revenue la dernière fois en live. C'était quelqu'un qui m'avait demandé si je pouvais faire des story time. Et en fait, j'avais pensé peut-être à faire une chose, c'est genre faire des ouvertures de cadeaux, mais sur une story time. C'est-à-dire que j'ouvre les cadeaux sans forcément faire attention à la couleur ou quoi, et faire une story time, peut-être même sur un fond accéléré de cadeaux, pour comme ça vous pouvez voir encore plus de cadeaux, plus d'ouvertures de cadeaux, sur peut-être quelque chose, un blabla plus intéressant par-dessus. Qu'est-ce que vous en pensez? Après les story time, en fait, moi, il faudrait que j'en trouve. Parce qu'en fait, j'en ai plein, hein. J'ai plein de trucs à vous raconter. Comme les histoires gênantes que je vous ai racontées en live concernant mon enfance et mes histoires de... Alors, on va dire le mot, hein, de caca, de bouse de vache et compagnie, hein, que je faisais. On va dire comme des mauvais pranks à mes potes avec une pote, on faisait n'importe quoi. Ça pourrait être intéressant de les refaire en story time, en vidéo, pour que tout le monde puisse y avoir accès et tout le monde après pourra dire « Ah, 15 ans, je te croyais pas comme ça !» Mais écoutez, on a tous été petits, on a tous fait des conneries. Hein. J'assume aujourd'hui, voilà, j'ai fait des conneries. Je pense que tout le monde a fait des conneries, hein. Ah, et pas que je vois après dans les commentaires, ah non, moi j'étais sage, moi j'ai jamais rien fait. C'est ça, ouais. On a tous fait des bêtises quand on était petits, même si on se rendait pas forcément compte, on en a fait, ok. Du coup, pourquoi pas faire des petites ouvertures de cadeaux sur un fond de story time. À la limite, je ferai une vidéo test pour voir si ça vous plaît, et si ça vous plaît pas, bah j'en ferai pas, et puis voilà. Et si ça vous plaît, bah j'en ferai d'autres. On va peut-être faire la... Ouais, franchement, je pense que ça pourrait être sympa de faire ça. Là, franchement, je pense que je suis criée. Là, je pense que les gens, ils le savent que je suis en train de faire une vidéo ouverture de cadeaux. En général, parce que bon, avec tout le jaune que je porte sur moi. Tout le jaune que... Ouais, bah, attends, je reviens en arrière parce que j'ai vu une tête. Ouais, j'ai vu elle, je me suis dit, wow. Wow. Qu'est-ce qui se passe? I love you. Oh, trop gentille, trop mignonne, Judith. Merci beaucoup. Hop, on va ouvrir celui-ci. Par contre, les deux chignons, ça va pas du tout avec la couleur des cheveux. Ça va tout pour 15 L. Ah oui. Oh non, c'est pas la personne qui m'avait offert genre 46 t-shirts Save the World. Alors, hop, ici. Oh. On est allé assez loin dans les cadeaux quand même. Hein. Tout pour 15 L, hein, encore. Hein. Attendez, au pire, je clique sur son profil. On va aller voir. Tout pour 15 L. Encore actif sur son compte cadeau 7 auto, like, CP. Mon compte principal, c'est Devoria. 15 L. Bon, allez, elle est mignonne, on va lui envoyer une petite demande d'amis, un petit auto. Hop, on l'aura en double cette jupe. Hein. Ok, Cookie, on a reçu un cadeau de Cookie. Alors, ah ouais, j'ai une idée, tiens. J'étais en train de faire cette vidéo-là et je me suis auto-donné une idée de vidéo. Hein. On va le faire. Mais je vous dis pas c'est quoi dans cette vidéo parce que sinon c'est pas drôle. Si je vous spoil dans cette vidéo, une prochaine vidéo, ça... Non, je vais pas vous dire ça.
Ce sera une surprise. Ok. J'entends quelqu'un. J'entends un enfant pleurer dehors. Non! Non! Ah non, non. C'est ça, c'est le déconfinement, c'est le retour à l'école, c'est ça. Et je l'entends dire non. Oh non, j'en peux plus. Hop là. Ah, qu'est-ce que vous en pensez de ce look? Est-ce que ce look... Et franchement, ça aurait pu être pire, le look. Hein. Ça aurait pu être pire. Qu'est-ce que vous en pensez, hein? Oh! C'est sympa cette robe là que Stressy Love nous a offert là. On va la porter. Écoutez, ce qu'on va faire pour finir la vidéo, parce que concrètement, it's not possible de ressembler à ça à la fin de cette vidéo. Mais en vrai, la robe là, on va la garder. On va garder cette robe. Attends, je vais tout enlever parce que là, je vais garder les boucles d'oreilles parce qu'elles sont bien. Le collier là, je peux le garder. Voilà. Les bracelets, on peut les garder. Alors, on va remettre la robe que j'ai reçue. Si je la retrouve. Parce qu'elle n'est pas dans les derniers cadeaux qu'on m'a offert. Là, c'est un petit peu embêtant. Non, sérieusement, elle n'est pas dans les derniers trucs. Oh non. Eh ben zut. Bon, tant pis. Au pire, je vais mettre ça. Hop. Je vais mettre le drip. Attends. Hop. Et ça rend bien le bleu et le rose hein, en vrai, hein, regardez. Ça matche bien. Non, on va pas mettre ça, parce que franchement, la coupe, on va pas se mentir, elle est horrible. Hein. Encore la robe, j'aime bien, mais les cheveux... Voilà quoi. No comment, hein. Pour les chaussures... Ouais, ceux-là, ça passe. Et est-ce qu'on met genre accessoire? Ouais, genre on va mettre ça. Non, on est pas mal. C'est très très simple comparé à d'habitude. Attends, j'ai envie de mettre les trucs. Hop, ici. Bon, j'ai enlevé les glitches. Je préfère 100 quand même. Je préfère 100. Et à la limite... Non, pas ça. Mettre ça. Ça, c'est sympa. Mais pourquoi ça veut pas? Pourquoi ça veut pas? J'avais dit que je voulais enlever les glitches. Ok, comme ça, ça va aller. C'est très bien comme ça. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous fais de très très gros bisous. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, dans un prochain live. Bisous et ciao ciao.